Bienvenue à Bruxelles, au centre belge de la bande dessinée. Nous étions déjà venus récemment ici. C'était pour présenter une émission programmée le 10 octobre dernier, consacrée à la gestion du fabuleux patrimoine de Hergé, le génial créateur de Tintin. Mais la justice voulait censurer notre enquête et nous avons décidé de ne pas la diffuser. Eh bien, cette fois, nous allons vous montrer cette enquête, avec en prime une deuxième consacrée à la multitude de reporters qui pullulent désormais partout dans le monde. Voyez notre sommaire. Tintin risque-t-il de tomber dans l'oubli? Le célèbre reporter n'est en tout cas plus la star des cours de récréation. Moi, j'aime pas Tintin parce qu'il est pas marrant et son vocabulaire est un peu trop sérieux. Pour les spécialistes, la cause de cette baisse de popularité est évidente. Les gestionnaires de l'œuvre d'Hergé ont transformé Tintin en produit de luxe. Si effectivement on interdit à des gosses à se déguiser en Tintin ou on fait un procès à quelqu'un qui appelle son chien Milou, je veux dire qu'on va finir par tuer le mythe. C'est pourquoi nous posons la question, Tintin a-t-il vendu son âme au diable? Seconde question, tous reporters, la fin des journalistes? Depuis 2005, pareilles images font régulièrement la une des journaux. Les clichés amateurs événementiels sont très demandés par les médias professionnels. Forcément, sur les événements, les reporters sont toujours en retard par rapport au citoyen qui est en train de prendre des images. Mais les scoops amateurs sont aussi devenus un véritable business très rentable. Pour un film comme celui de Kate Moss, qui prend de la cocaïne, on parle d'une transaction à hauteur de 75 000 euros. Problème, cette lucrative course au scoop délaisse parfois les règles élémentaires de déontologie journalistique. Cela fait longtemps que des spécialistes critiquent la manière dont est géré l'héritage de Hergé par le deuxième mari de sa veuve, Nick Rodwell. Or, celui-ci refuse toute participation à une émission si certains de ses détracteurs s'y expriment aussi. Pour le prouver, nous avons filmé Nick Rodwell à son insu alors qu'il divulguait des noms de sa liste noire. Il l'a appris avant la diffusion du reportage et au nom de son droit à l'image a obtenu, en référé d'une juge, qu'elle interdise la séquence. Le 18 décembre dernier, le même tribunal a confirmé la censure, mais sans se prononcer sur le fond de l'affaire. La RTBF devrait donc normalement encore attendre plusieurs années un jugement définitif devant une autre juridiction avant de pouvoir diffuser son reportage. C'est pourquoi, au nom de votre droit à l'information, la séquence en caméra cachée, pour le moment toujours interdite, a été remplacée par sa reconstitution. Ainsi, vous pourrez quand même vous faire une idée précise sur cette fameuse enquête. C'est en connaissance de cause que vous allez pouvoir juger si Gérald Vandenberg et Serge Rüssing ont plus de raisons que jamais de poser cette question. Tintin a-t-il vendu son âme au diable? Nous allons bien savoir ce que vous aimez comme héros de bande dessinée, ce que vous lisez. Alors on va commencer le test de façon très simple. Vous allez tous passer devant les piles de BD qui se trouvent ici. Et vous allez en prendre une chacun, celle de votre héros préféré. Kit Paddle. Kit Paddle. Et qui a choisi Tintin? Tintin. Les résultats de notre petit test de popularité sont clairs. 22 élèves ont choisi Titeuf et Kit Paddle. 4 enfants seulement ont préféré Tintin, le héros à la houppe, et bon dernier. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Tintin? Parce que c'est plus des aventures... Dans d'autres pays, je trouve pas ça très marrant. Les trains, par exemple, dans les trains qui vont, ils sont plus ceux des années 80 ou des 60 et tout. Donc ça fait un petit peu vieux.
Moi, j'aime pas trop. Je trouve que Tintin, c'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est le dessin que tu n'aimes pas, les histoires? Non, c'est pas ça, mais j'aime pas trop, c'est tout. Moi, j'aime pas Tintin parce qu'il est pas marrant et son vocabulaire est un peu trop sérieux. Des fois, il est un peu trop sérieux, c'est vrai, mais bon... Moi, j'aime bien quand même. Il y a plein d'aventures et tout, je trouve ça plutôt chouette. On dit que c'est tout le temps les mêmes histoires. Des fois, c'est vrai que c'est des histoires qui se suivent, mais c'est pas du tout les mêmes. On n'est pas d'accord avec eux? Bah non. Je préfère un peu ça à Titeuf parce que Titeuf, ça donne pas une très bonne image en soi. Voilà, la démonstration est claire et nette. Tintin n'est plus le personnage préféré des enfants de cette classe. Nous allons donc tenter de savoir pourquoi il n'est plus le héros de tous les enfants de 7 à 77 ans. Pour mesurer la popularité d'un personnage de BD, on doit se pencher sur le nombre d'albums vendus chaque année. C'est un baromètre très précis. Ces presses tournent à plein régime pour les éditions Casterman, mais elles impriment aujourd'hui 4 fois moins d'albums qu'au début des années 80. L'âge d'or de Tintin, c'est fini. Entre 1979 et 1983, année entourant la mort d'Hergé, Casterman vendait 4 millions d'albums en français par an, un tirage énorme. Mais aujourd'hui, on est tombé bien plus bas. À l'exception du début des années 90, où la sortie de dessins animés à la télé a relancé les ventes, les chiffres n'ont jamais cessé de s'effriter. On en vend à peu près 1 million dans le circuit classique de la librairie. Et puis on en vend dans les clubs, dans les opérations spéciales en presse, à peu près 800 000. Donc ça fait en langue française, hein, donc ça peut être à peu près 1,8 million par an. Les libraires sont les mieux placés pour déterminer qui aime encore Tintin. Ils utilisent Tintin comme un produit d'appel, un repère pour les acheteurs perdus au milieu des centaines de mangas et autres BD qui paraissent chaque année. Là aussi, le constat est clair, les acheteurs sont surtout des touristes ou des collectionneurs, beaucoup plus rarement des enfants. Est-ce que vous vendez beaucoup d'exemplaires de Tintin chaque année? Beaucoup, c'est... Qu'est-ce que veut dire beaucoup? On en vend régulièrement. C'est-à-dire qu'à chaque commande, il y a du Tintin dans les caisses. Ça fait partie, on va dire, des valeurs sûres. On ne va pas dire qu'on en vend 1000 par an, hein, ce n'est pas le cas. On n'est pas le musée de la bande dessinée, mais régulièrement, on en vend, oui. Alors, est-ce que des enfants viennent encore vous acheter des albums de Tintin? Les quelques enfants qui ont acheté des albums Tintin étaient des enfants qui faisaient des devoirs pour l'école. C'est à savoir que soit des néerlandophones venaient acheter des Tintins en français, soit des francophones venaient acheter des Kuifi en néerlandais, parce que tout simplement, quitte à choisir un bouquin, dans la liste, je crois que c'est beaucoup plus cool de lire un Tintin que de lire... un album classique, un roman, c'est plus sympa. Chez Casterman, on souligne que vendre encore 1 million d'albums chaque année sans nouveaux titres Tintin depuis 25 ans, c'est pas si mal. Mais on est conscient de cette perte d'intérêt des enfants. Pour relancer les ventes, Casterman lance une nouvelle arme sur le marché. Toute la collection Tintin vient d'être imprimée sous forme de mini-albums, plus maniables et surtout moitié moins chers. L'objectif principal qui était le nôtre, qui est le nôtre, c'est que les enfants prennent les albums en main. Parce qu'une fois qu'ils ont pris l'album en main, la magie fonctionne. C'est important pour assurer, entre guillemets, la popularité, le côté populaire du héros. Absolument, absolument. D'ailleurs, Hergé l'a toujours voulu comme ça, c'est que son œuvre soit accessible au plus grand nombre. Une œuvre à la fois grand public et de qualité, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour un éditeur. Hein. Depuis la naissance de Tintin en 1929, plus de 200 millions d'albums ont été vendus partout dans le monde. Les lecteurs s'identifient facilement à Tintin. Hergé a créé une vraie série populaire. Hergé meurt en 1983. On respectera sa volonté, personne ne reprendra la série. Il n'y aura plus jamais de nouvel album. Il a donc fallu faire vivre Tintin autrement. Les héritiers d'Hergé créeront une société chargée d'entretenir la notoriété du personnage, la SA Moulinsart. Des produits dérivés comme des vêtements et des statuettes de collection feront leur apparition. Elles seront vendues dans des boutiques Tintin comme celle-ci. Deux personnes contrôlent la SA Moulinsart, Fanny, la veuve d'Hergé, et son second mari, Nick Rodwell. Nick Rodwell était responsable du marché britannique pour la SA Moulinsart. Son mariage avec Fanny le propulsera à la tête de l'entreprise. Personne ne peut utiliser l'image de Tintin sans son accord. Son contrôle est féroce, les menaces de procès sont nombreuses. La presse critique depuis plusieurs années le contrôle absolu de Nick Rodwell. Tintin serait devenu cher et rare.
Pour faire le tri entre protection de l'œuvre et contrôle excessif, nous contactons la SA Moulinsart. Il est indispensable d'interviewer celui qui est responsable de Tintin à l'heure actuelle, Nick Rodwell. Bien voilà, on n'a même pas dû attendre une heure. La réponse de la société anonyme Moulinsart est déjà là, on va la découvrir ensemble. Il y a deux ou trois personnalités avec qui nous ne pouvons travailler puisque celles-ci ont ouvertement diffamé ad nominem les dirigeants de Moulinsart et des studios RG. Ce mail est un véritable coup de force. Le contrôle total de Moulinsart apparaît dès le premier contact. Moulinsart veut nous interdire d'interviewer certaines personnes. Une pression aussi forte et aussi rapide, c'est franchement du jamais vu. Nous décidons malgré tout de jouer le jeu. Nous rédigeons la liste des personnes que nous estimons indispensables à notre enquête. Ce sont tous des spécialistes de l'univers de Tintin. Nous nous rendons ensuite en caméra cachée à la SA Moulinsart, avenue Louise à Bruxelles, où nous rencontrons le patron, Nick Rodwell, et son conseiller juridique pour l'audiovisuel. On a notre liste noire. Si vous avez envie d'être avec Harry Swert, si vous avez envie d'être avec Benoît Peters et Hugues Daillé, on va dire non, point. Ce n'est pas un problème pour nous, on dit non. Mais pourquoi? Écoutez, parce que Benoît Peters a dit sur TF1 devant 9 millions de téléspectateurs qu'il estime que mon épouse n'aimait pas ni Hergé ni son œuvre. Si ce n'est pas assez pour vous, c'est plus qu'assez pour moi. Et les deux autres, enfin je veux dire... Hugues Daillé a fait... Il me déteste, il m'insulte, il a créé un livre, c'est la haine absolue. Stéphane Steman, c'est impossible. On attaque les amis d'Hergé maintenant. Donc s'il y a un de ceux-là, vous nous refusez l'interview. On essaie de contrôler l'image et on essaie d'éviter d'être hypocrite. Donc les gens qui ont pris le temps de nous insulter ont dit « c'est fini ». Mais ce que vous dites clairement, c'est eux ou vous quoi. Oui, si vous avez envie d'avoir les images, c'est pas avec eux. Le constat est imparable, nous n'aurons pas d'interview de Nick Rodwell. Voilà, la situation est claire, nous ne travaillerons pas avec la société anonyme Moulinsart. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous impose ou qu'on nous interdise de travailler avec certaines personnes. Ceci dit, la RTBF n'a pas toujours été en mesure de résister de la même manière. Le 21 mai dernier, la RTBF a organisé une grande soirée consacrée au centième anniversaire de la naissance d'Hergé. La société anonyme Moulinsart était partenaire de cette émission. Elle avait clairement mis un veto sur trois noms, celui de Hugues Daillé, de Benoît Peters et de Stéphane Steman. Ils étaient tout simplement interdits de plateau. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Bonsoir Armel, bonsoir à vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau de Quelque chose en nous de Tintin. Pour faire une émission de ce type, la RTBF a besoin d'images de Tintin. La SA Moulinsart le sait et en profite. Elle propose de tout offrir gratuitement à la RTBF à condition de pouvoir décider qui participera à l'émission. La RTBF acceptera cette énorme contrainte. Notre directeur de la télé s'en explique. Il existe beaucoup d'autres émissions, Question la Une pour commencer, le JT, pour parler des polémiques. Donc ça n'est pas comme si la RTBF vendait son âme au diable, hein, pour employer une expression qui est excessive d'ailleurs dans ce cas. Mais c'est pas ça, on est dans le cadre d'une émission de divertissement en hommage à Tintin. C'est pas le lieu d'un débat sur comment est géré l'héritage ou le patrimoine d'Hergé. Ça, il y a d'autres lieux pour... Vous le faites, après. Nous avons pris l'avion pour Fréjus en France. Nous voulions rencontrer la victime la plus surprenante de cette censure, Stéphane Steman, alias Madame Gertrude. C'était un ami d'Hergé. Il possédait voici 10 ans la plus grande collection Tintin au monde et il l'a vendue en grande partie à Nick Rodwell. Il n'avait pas l'intention d'émettre la moindre critique, mais sa seule présence gênait Moulinsart. Oh ! Encore des imitations ! Quand on m'a proposé et engagé, puisque coup de téléphone à l'appui, pour que je fasse ma tirade de Cyrano à la manière donc de 20 personnes sur Hergé, et que j'ai appris après, par cette même madame qui m'avait téléphoné de Liège, que M. Rodwell ne voulait pas de moi, comme elle ne voulait pas non plus de Benoît Peters et d'autres, mais moi, de moi, comme ça, sans raison, ça m'a été très loin, interdit. Donc j'étais interdit à la RTBF, ce qui est quand même outrageant pour quelqu'un qui a fait autant d'années à la RTBF, parce que si on m'avait pris quand même, il n'aurait pas eu en échange ce qu'en général Moulinsart donne, donc des dessins, des machins comme ça. Mais au-delà de tout ça, on sent que vous êtes touché aussi par ça. Très. Très touché, très triste. Et je me dis toujours, je sais que c'est facile de dire ça, si Hergé voyait ça, s'il savait ça, je crois qu'il serait très triste, sidéré,
et que... Je ne sais pas ce qu'il en penserait, mais je crois qu'il n'en penserait pas beaucoup de bien. C'est facile hein, de dire ça, mais je le dis quand même. Nous sommes sur la Grand Place de Bruxelles. Notre but, enquêter sur le business autour de Tintin. Emeline et Anissa nous accompagnent. Ces deux petites filles nous avaient expliqué leur passion pour ce personnage lors de notre visite dans leur classe. Elles vont se rendre dans une boutique Tintin qui appartient à la SA Moulinsart. On y vend tous les objets inspirés par l'univers du héros des 7 à 77 ans. Bon voilà les filles, avant d'aller dans le magasin Tintin, j'ai juste une petite question à vous poser. Combien vous avez d'argent de poche chaque semaine ? 7,50€. Et toi Anissa ? Non, c'est pas régulièrement, c'est une fois de temps en temps quand j'en ai besoin. D'accord. Bon bah alors, on va faire un petit quelque chose. Je vais vous remettre à chacune 7,50€. Vous allez aller dans le magasin Tintin et vous allez acheter simplement ce qui vous plaît. Et puis à la sortie, je vous retrouve et on verra ce que vous aurez en main. Vous avez fait vos courses ? Oui. Emeline, tu me montres ce que tu as acheté ? J'ai acheté un bloc-notes, un crayon et un badge. Et qu'est-ce qui te reste comme sous ? Non. Eh bien, moi, j'ai acheté un bloc-notes et un badge. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des prix des objets qu'on trouve dans le magasin ? Mais c'est un petit peu cher comme un pantalon à 79€. Il y avait aussi un beau gilet, mais c'était quand même trop cher et je pourrais pas l'acheter dans la vie de tous les jours. En rentrant dans la boutique Tintin, on trouve rapidement trace de ce que Emeline et Anissa considèrent comme un peu cher. Il y a les vêtements, et puis surtout, les figurines et statuettes. Elles sont en plomb ou en résine, elles font de 3 à 30 cm, et chaque centimètre vaut son pesant d'or. Nous sommes au cœur d'un véritable trésor, de quoi rendre fous tous les tintinophiles. On y retrouve pêle-mêle tous les objets Tintin parus depuis 50 ans. Cette collection va des pièces les plus chères aux objets les plus anodins. Harry est un des 3 plus grands collectionneurs au monde. J'ai commencé à collectionner les albums, bien entendu, et puis je me suis mis à faire à rassembler des objets aussi bien estampillés Lombard à l'époque, ou Casterman plus tard, ou après encore Moulinsart, ou en passant par la Fondation Hergé. Mais aussi des tas d'objets de qualité moindre peut-être, mais pas à mes yeux, qui sont des objets artisanaux, parfois tout à fait originaux, etc., etc. J'ai une cloche à fromage, Tintin, des objets africains. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment possible d'acheter tout ce qui sort chez Moulinsart, même pour un collectionneur comme vous ? Non, mais il devrait avoir gagné à l'euro-million, quoi. Non, je ne crois pas, ou bien alors on ne mange pas, ou on ne fait rien d'autre, mais non, ce n'est pas possible. Si c'est un budget, il y a des objets qui représentent un salaire d'un instituteur, par exemple. Il y avait, dans le temps, quand on faisait un plein chez Esso, on recevait une figurine du lac aux requins qu'il fallait peindre. Non, tout ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de gratuit, j'oserais dire. Un coup d'œil sur la collection d'Harry permet de tout comprendre. Voici les objets Tintin que l'on pouvait trouver sur le marché du vivant d'Hergé. Et voilà ceux qui sont disponibles aujourd'hui. Ils sont moins nombreux et beaucoup plus chers. Ils ne sont plus destinés aux enfants. On étouffe tellement le mythe que j'ai bien peur qu'il meure de par lui-même. Que si effectivement on interdit à des gosses à se dîner déguisés en Tintin ou on fait un procès à quelqu'un qui appelle son chien Milou, je veux dire qu'on va finir par tuer le mythe. Et si on tue le mythe, je ne crois plus que les objets de haute valeur ne se vendront non plus. Comment en est-on arrivé là ? Comment Tintin a-t-il pu se transformer en produit de luxe ? Nous allons remonter le temps pour mieux comprendre. Luc Jouret a fait partie de la première équipe chargée de gérer les produits de merchandising Tintin après la mort d'Hergé. Il a vu arriver Nick Rodwell, il a vu évoluer les produits Tintin,
Aujourd'hui, il est professeur de marketing à l'IEX. Si on prend le pli d'une politique trop systématiquement orientée vers la collection, la grande valeur, voire la spéculation, hein, puisqu'on peut quand même parler de spéculation à un certain moment, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gros risques, puisqu'on risque de se couper vraiment de cette génération, et donc d'enlever du patrimoine, d'une partie des générations à venir, en tout cas l'œuvre d'Hergé, qui risque de devenir un classique. Donc autrement dit, on nuit à la notoriété. Oui, sans aucun doute. Parce qu'on n'arrive pas à entretenir cette notoriété et le lien affectif qui est lié à cette notoriété. On ne doit pas associer l'image de Tintin à une valeur en dollars, en livres sterling ou en euros, selon que l'on va chez Horta ou chez Drouot. Pour être complet, précisons qu'il existe des figurines Tintin bon marché. Mais elles sont beaucoup moins nombreuses que dans d'autres séries BD tout aussi connues, qui, elles, poussent à fond le côté jouet. Si Tintin s'endort, d'autres héros cultivent la magie de l'enfance. Pour en savoir plus, nous nous rendons dans le village des Irréductibles Gaulois. C'est ici que l'on gère l'image d'Astérix et d'Obélix. Bonjour. Aux éditions Albert René, on trouve aussi des statuettes et des figurines de luxe. Mais c'est loin d'être la seule façon de faire vivre les personnages. Ici, l'enfant compte encore. Ça me paraît évident, le cœur de cible c'est 10-15 ans, qu'elle soit fille ou garçon, donc ça doit parler aux enfants, aux jeunes adolescents, c'est évident. Pour moi, les produits Tintin étaient splendides. Et je disais, on doit pouvoir faire comme Tintin sur les gammes de produits. Et voilà, je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tout cas, c'était un très bon exemple pour moi. Encore maintenant ? J'ai tendu une perche, là. comment vous dire ? Peut-être moins qu'à une époque. Voilà. Dire d'Astérix que c'est un personnage populaire, ça vous gêne ? Oh ben, personnellement, j'en suis très fière. C'est au contraire ce qui fait le succès d'Astérix aujourd'hui, c'est pas ce qui est populaire. Parce que ça, si on n'est pas populaire, ça veut dire qu'on intéresse une certaine élite. J'ai pas contre. Je suis pas contre l'idée de plaire à une certaine élite, mais ils sont peu et c'est la minorité. Moi, la minorité m'intéresse pas trop quand même. Le contrôle absolu de Nick Rodwell influence en profondeur la relation qui existe entre Tintin et ses fans. Pour comprendre la philosophie de la SA Moulinsart, il faut examiner leur dernière grande opération, la création d'un musée Hergé à Louvain-la-Neuve. Fanny Rodwell, la veuve d'Hergé, a posé la première pierre en mai dernier. Bonne chance pour votre pièce. Qu'est-ce qu'on réserve pour les enfants ? Il n'y a pas tellement, c'est un musée d'artistes. Il y aura évidemment un coin, il y a un coin où il y aura des projections au cinéma, il y a un coin aussi où les gens peuvent lire, s'asseoir. Et donc voilà. Et puis on pensera aussi que plus bas, on doit faire un étage plus bas, on doit aussi avoir des figures qui sont à la hauteur des enfants, des choses comme ça. Mais enfin, c'est un musée à la gloire d'un artiste, parce que c'est pas le musée Tintin non plus, c'est le musée Hergé qui doit montrer l'étendue du talent d'Hergé. Voilà. Jusqu'à la pose de cette première pierre, Nick Rodwell nous avait refusé toute interview. Nous tentons malgré tout notre chance. À notre grande surprise, il accepte de répondre à nos questions, mais seulement pour évoquer le musée. Monsieur Rodwell, il serait possible de faire un petit bout d'interview avec vous ou pas ? Oui, avec plaisir. D'accord, on va se mettre dans le tract. Oui, on va là-bas. Vous prenez beaucoup de recul ici dans cette cérémonie, vous restez souvent à l'arrière. J'étais très discret, c'est toujours un peu délicat et tout le monde adore mon épouse et tout le monde me critique. De temps en temps, je me retire. C'est vous le vilain petit canard alors ? Absolument. Ça ne vous dérange pas ? Bon, chacun a son rôle à jouer. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'endroit ? C'est ce que vous cherchez depuis le départ ?
Ouais, c'était très difficile parce que c'est un peu comme Spielberg avec le film. Ça dure depuis les années. So, aujourd'hui, on est ravis et on en est très bons partenaires. Et c'était très difficile à Bruxelles. On n'avait pas les bons contacts à l'époque. Et sans doute, ça n'a pas bien marché entre Henri Simons et moi-même. Et ça montre que deux personnes peuvent compliquer la vie, mais quand ça marche, c'est beaucoup plus agréable. Et ici, c'est absolument parfait. Ce musée Hergé, c'est une très vieille histoire. On en parle depuis plus de 10 ans. Il devait initialement se trouver à Bruxelles. L'échevin de l'urbanisme de l'époque avait mis les moyens et offrait à la SA Moulinsart un terrain à très bon prix. Il était situé à place Fontenas, à côté de la Grand Place et de ses touristes. Et pourtant, les négociations vont capoter pour d'obscures raisons. Pour moi, c'est, il n'aime pas le quartier. Mais pourquoi il n'aime pas ce quartier ? Parce que sociologiquement, ils ne correspondent pas à ce qu'ils pensent être les acheteurs de Tintin et les visiteurs de musées. Trop d'immigration. Trop de pauvreté, je dirais plutôt comme tel, vu par eux. Pourtant, c'est un quartier vivant. Quand on voit l'autre côté de la place, qui est vraiment le nouveau quartier branché de Bruxelles, ce n'est pas exact, mais c'est une peur immédiate. Que dire d'une peur ou d'un sentiment ? Quand c'est vraiment les enfants des créateurs qui ont vu papa dessiner, on se trouve dans un autre rapport du suivi. Quand, par contre, ça tombe dans des sociétés avec des plus-values qui sont domiciliées en Suisse pour les uns, à Monaco pour les autres, on se trouve dans le business. Et là, on se trouve confronté à autre chose qu'à la création. Et donc, je pense que ces outils économiques que sont devenus les ventes de merchandising et autres choses ont dépassé l'œuvre et ont aussi, je dirais, abîmé l'image de l'œuvre. Merci, mademoiselle. Hugues Daillé, critique cinéma de la RTBF, est un passionné de Tintin depuis toujours. La preuve s'étale sur ce mur blanc. À l'âge de 12 ans, il a redessiné sur papier calque toutes les cases de l'affaire Tournesol avec l'aide de ses frères. Bon, et maintenant une queue de poisson et un bon coup de frein. Ils ont créé une bande-son en parallèle et s'amusaient à présenter le tout sur grand écran grâce à un projecteur artisanal. Quand on a des réunions de famille, au lieu de montrer des diapositives des vacances, on montre des diapositives Tintin et on se souvient de nos voix qui ont changé aussi. Ma voix qui a mué, moi je faisais des voix de vieille dame et de petits chiens, mais maintenant je revois ça évidemment avec de la larme à l'œil. Hugues Daillé a consacré un livre aux héritiers d'Hergé et à leur frénésie de contrôle. Depuis, il est sur la liste noire de la SA Moulinsart. Nick Rodwell a dit « Je veux faire de Tintin la Rolls-Royce de la bande dessinée ». Or, qu'est-ce qu'on fait avec une Rolls-Royce ? On met une belle housse dessus pour surtout qu'elle ne soit pas abîmée avec le Vulgum Pecus dans la rue. Et je pense qu'avec cette gestion de l'œuvre, on coupe Tintin à la fois de l'univers de la bande dessinée. Or, Hergé a toujours travaillé au sein d'un journal, le journal Tintin qu'il animait. Il a toujours été chef d'équipe d'une certaine manière. On coupe Tintin du monde de la bande dessinée et on coupe Tintin de son milieu naturel qui était le milieu familial et enfantin. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on tarit l'œuvre de manière assez inquiétante. La solution pour sauver Tintin de l'anonymat pourrait venir du grand écran. Le passé le prouve, rien ne vaut un passage au cinéma ou à la télé pour asseoir la notoriété d'un personnage auprès des enfants. Le mystère de la Toison d'or, sorti dans les années 60, tout comme les adaptations en dessin animé des années 90, ont été d'immenses succès. Mais enfin, je... Toute une scène a recommencé à cause de vous, tripidiot. Le tournage d'un film, je suis confus. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? Ces adaptations de Tintin sur écran ont maintenant toutes plus de 15 ans. L'actualité concernant Tintin au cinéma nous vient de Los Angeles, où Steven Spielberg et Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, ont annoncé leur intention de produire 3 films consacrés au héros à la houppe. La technique privilégiée sera celle de la motion capture, utilisée par Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux. Ils reprendront le processus qui a permis de donner vie à Gollum, le côté sinistre en moins. Parti, parti, parti ! Cette nouvelle technologie accessible aujourd'hui leur permet de raconter cette histoire de la meilleure façon possible. Ils peuvent réaliser leurs rêves en images. Grâce à cette technologie, ils peuvent projeter leur imagination sur écran. Ils sont plus qu'enthousiastes.
La production de trois films d'animation réalisés par Jackson et Spielberg est évidemment un immense succès pour Moulinsart. Les critiques sur la notoriété perdue de Tintin vont diminuer. Mais paradoxalement, Nick et Fanny Rodwell pourraient y perdre une partie de leur pouvoir sur Tintin. Pour faire le point sur la question, nous sommes allés à la rencontre de Benoît Peters. Il est biographe d'Hergé, scénariste du dessinateur François Skeuten et figure sur la liste noire de Moulinsart. Il a suivi les différentes tentatives d'adaptation de Tintin au cinéma ces dernières années. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la rentabilisation de films de ce coût, de ce niveau d'ambition technologique, cette rentabilisation ne peut pas se faire uniquement sur l'exploitation du film. Elle va se faire sur tous les dérivés. Ça, c'est le cas de toute l'économie du cinéma aujourd'hui. Donc, évidemment, Spielberg et Jackson et les gens autour d'eux auront envie de disposer assez librement de tous les droits dérivés. Et je pense que ça va être un nouveau cap. Donc, à la fois pour Fanny et Nick, c'est un enjeu formidable. C'est une nouvelle période qui s'ouvre. Et c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour tout le monde, pour Casterman, pour les amateurs d'Hergé. Mais en même temps, c'est la fin du belgocentrisme, d'une certaine façon. Tintin va leur échapper, parce que les enjeux financiers sont trop grands. C'est une nouvelle page. Et symboliquement, je trouve très beau que cette nouvelle page s'ouvre en cette année du centenaire et vienne nous dire peut-être une nouvelle ère va s'établir, une autre façon de faire vivre l'œuvre pour lui donner un rayonnement, pour la préparer pour les 50 prochaines années. Parce qu'après tout, il y a trois films, mais s'ils sont formidables, pourquoi il n'y en aurait pas cinq ? Si les films de Spielberg rencontrent un succès mondial, la notoriété de Tintin sur grand écran dépassera celle du Tintin de papier. Tintin ne sera plus tout à fait le même lorsqu'il reviendra d'Amérique, mais il sera assez connu pour reconquérir le cœur des enfants. Au cours de ses enquêtes, Tintin reporter a utilisé maintes fois des méthodes encore bien moins orthodoxes que les nôtres. Alors, qu'aurait-il pensé de cette petite révolution qui frappe actuellement le monde de la presse ?